Alors que nous ne sommes qu'en 2022, les militants du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, souhaitent déjà que Laurent Gbagbo soit leur candidat pour les élections présidentielles de 2025. Cette annonce a été faite au cours de la première année d'anniversaire de naissance de cette formation politique par le secrétaire général du parti de Gbagbo, Damana Adia Picasse. Pour lui, l'ancien président ivoirien demeure le candidat naturel à l'élection présidentielle de 2025 du PPACI. Cette annonce, faite depuis Trècheville le 17 octobre 2022, a suscité des réactions dans l'opinion publique. Cependant, le concerné lui-même dans son grand oral ce jour-là n'a pas fait cas de son intention de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. En tout cas, c'est ce qu'a confié le porte-parole du PPACI dans un entretien avec la presse à Cocody. Sur la question et se confiant à Coassi, Justin Koné-Katinan a fait savoir que le désir de tous les militants du PPACI, c'est de voir l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, candidat en 2025. Nous, on ne fait que dire ce que les militants disent quand ils se réveillent le matin, quand vous leur demandez qui vous voulez qu'il soit votre candidat. Mais la dernière décision appartient au président Laurent Gbagbo lui-même. Ce qu'il décidera, nous le suivrons. Nous, notre souhait, c'est qu'il soit notre candidat et nous travaillons pour le convaincre, pour qu'il soit notre candidat, mais il y a ce que nous souhaitons et ce que lui, il veut, donc au moment opportun, il nous dira ce qu'il veut. Ce n'est pas encore sa volonté à lui d'être candidat, a confié l'ancien ministre du budget de Gbagbo mettant fin à la polémique. Alors que nous ne sommes qu'en 2022, les militants du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, souhaitent déjà que Laurent Gbagbo soit leur candidat pour les élections présidentielles de 2025. Cette annonce a été faite au cours de la première année d'anniversaire de naissance de cette formation politique par le secrétaire général du parti de Gbagbo, Damana Adia Picasse. Pour lui, l'ancien président ivoirien demeure le candidat naturel à l'élection présidentielle de 2025 du PPACI. Cette annonce, faite depuis Trècheville le 17 octobre 2022, a suscité des réactions dans l'opinion publique. Cependant, le concerné lui-même dans son grand oral ce jour-là n'a pas fait cas de son intention de se porter candidat à l'élection présidentielle de 2025. En tout cas, c'est ce qu'a confié le porte-parole du PPACI dans un entretien avec la presse à Cocody. Sur la question et se confiant à Coassi, Justin Koné-Katinan a fait savoir que le désir de tous les militants du PPACI, c'est de voir l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, candidat en 2025. Nous, on ne fait que dire ce que les militants disent quand ils se réveillent le matin, quand vous leur demandez qui vous voulez qu'il soit votre candidat. Mais la dernière décision appartient au président Laurent Gbagbo lui-même. Ce qu'il décidera, nous le suivrons. Nous, notre souhait, c'est qu'il soit notre candidat et nous travaillons pour le convaincre, pour qu'il soit notre candidat, mais il y a ce que nous souhaitons et ce que lui, il veut, donc au moment opportun, il nous dira ce qu'il veut. Ce n'est pas encore sa volonté à lui d'être candidat, a confié l'ancien ministre du budget de Gbagbo mettant fin à la polémique.